Bonjour à tous, Ishvan Kupar vient juste d'arriver au bar, comme vous avez pu le voir en anglais, et nous allons lui poser quelques questions. Bonjour Ishvan. Bonjour. Hello Ishvan. Comment te sens-tu là aujourd'hui? How are you feeling right now? Right now I feel good, because I am heading back to Sable-d'Olonne from this point. Maintenant il se sent bien parce qu'à partir d'ici il retourne au Sable-d'Olonne. Quelle est la chose la plus difficile pour toi pendant cette première moitié de course? What is the thing the most difficult for you on this first month? Well, for me the most difficult was so behind after the first month. My self-steering was pretty much useless, and I did a lot of manual steering, so it was very, very difficult for me to a kind of being almost the very last. Le plus difficile, ça a été d'être derrière les autres, et puis aussi d'avoir ces soucis de qui l'ont obligé à faire beaucoup tenir la barre lui-même, à essayer de réparer beaucoup de fois. Et quelle a été la plus belle chose qui t'est arrivée ces quatre mois? And what was the better thing you feel this four months? Or you see? Well, obviously that was a good thing that I was able to cope with the difficulties and catch up with the fleet. And I am happy that only rustlers are ahead of me right now. So I am the only one who is doesn't have a rustler. And frankly, the trade wind had a bad omen that one of our competitors sank the boat. Donc dans les choses les mieux pour traduire rapidement pour raccourcir, c'était d'avoir réussi à rattraper la flotte malgré tous ces soucis techniques qu'il a eu jusque là, et puis de voir que les rustlers sont devant. And when do you think you will arrive in Sable d'Olonne? Quand penses-tu que tu arriveras au Sable d'Olonne? I am hoping that for my birthday. Il espère arriver pour son anniversaire, c'est quand? Le 7 mars. But frankly, I'd like to be at my daughter's birthday, which is March 1st. Mais il espère être là pour l'anniversaire de sa fille, qui est le 1er mars. I have to be a Jean-Luc to make my wife's birthday, which is January 29th. So I cannot make that. Qu'est-ce qu'on doit t'apporter quand tu arriveras en ponton au Sable d'Olonne? What do you want us to bring you when we arrive in Sable d'Olonne? If you can escort my wife. Donc, il faudra escorter son épouse pour l'amener son épouse. But some French, baguette. De la baguette. I know that Jean-Luc is crazy about the salad, and I love salad too. But I would have some local food and of course wine. Alors il nous dit qu'il veut qu'on escorte son épouse. Il sait que Jean-Luc voulait de la salade. Lui aussi il aime la salade, mais il préférait une bonne baguette, de la bonne cuisine française et puis du vin. Mais écoute, on le fera, Ishvan. On t'attend au Sable d'Olonne. Merci beaucoup. We will do it for you, Ishvan. We will come in Sable d'Olonne. Thank you very much. Thank you very much. My wife told me that I have to arrive during the weekend because that's her only time off. So. Elle vous a demandé d'arriver le week-end parce qu'elle ne travaille pas et qu'elle puisse venir le voir. And une dernière question, est-ce que tu as vu beaucoup de plastique dans la mer? Yes, a lot of wind. Did you see a lot of plastic in the sea? Unfortunately, especially around Africa. Spécialement autour de l'Afrique. I saw a big volume of all kind of pollution, not just plastic, but a lot of ropes. Il a vu beaucoup de pollution. Mainly plastic containers, cans, jerry cans. It's a lot. Plastique de containers, tout un tas de saleté. Nous allons te laisser parce que tu veux monter en haut du mât. I'm going to the mast with this thing. Because not to climb up. Il se demande comment il va aller dans le haut du mât parce qu'il veut y aller avec tout ce vent. Good luck.
for the wind and for the mast, you and for the second part of the race. Oh, bon courage, bon vent pour la seconde partie. Now the wind is stopping. Yeah, no, no.